أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الذي خص أمتنا بكتابه الكريم فكان مصدر عزها ومنبع شرعها وسبب رفعتها وعلو مكانتها والصلاة والسلام على معلم القرآن الأول الذي جعله الله سبحانه وتعالى هاديا وبشيرا وسراجا منيرا أما بعد أيها الإخوة إلى من يريدون السعادة ويبحثون عن الطمأنينة ويشتاقون إلى جنة الله تعالى في أرضه شيخ خير إن شاء الله. Donc toujours après Bayna Salat et le Maghrib al-Isha, entre les deux prières, Maghrib et Isha, le vendredi, notre dars autour de le Coran, l'explication du Coran, l'exégèse. Mettez-vous contre le mur comme ça. Ici tout le monde est... Mashallah. Donc autour du Coran, on en parle tous les jours, la lecture du Coran, la compréhension, la méditation, la révision, la mémorisation, ainsi de suite. Une vie sans Coran, c'est une vie loin de toute lumière. Un musulman qui ne lit pas le Coran, qui ne médite pas le Coran, qui ne vit pas avec le Coran, c'est un musulman juste d'apparence. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est à mille lieues de pouvoir accéder à la miséricorde s'il vit, mais loin de la miséricorde, parce que le Coran est une miséricorde. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma. Quiconque veut aller au paradis, obligé qu'il passe par Al-Qur'an. Quiconque veut qu'Allah soit satisfait de lui, soit content de lui, quiconque veut qu'Allah Santala lui donne de la lumière dans sa vie, dans sa tombe, et surtout l'au-delà, obligé qu'il passe par Al-Qur'an et à sunnat al-Nabi alayhi salatu wa salam. Les deux vont ensemble, le Coran et la sunna, la compréhension, les enseignements du prophète alayhi salatu wa salam, celui qui nous a enseigné le Coran. Et Allah jalla wa ala, dans sa créature, il a choisi, il a créé, et dans la création ou dans la créature, il a choisi des créatures. Parmi les créatures qu'Allah a choisies, il y a la terre qui s'appelle Makkah al-Mukarram, la Mecque, et Madinat al-Munawwara, et Quds. Allah SWT a choisi ces endroits, sont les meilleurs. La Mecque est le meilleur des endroits. La Médine est l'un des meilleurs des endroits. Enfin, alayhi salatu wassalam, il disait, celui qui parmi vous peut mourir à Médine, qu'il le fasse. Parce qu'il intercède en la faveur des gens qui sont morts là-bas, mais qui étaient attachés à sa sunna. Allah a choisi, jalla wa ala, parmi les êtres humains, les prophètes sont les meilleurs. Parmi tous les prophètes, dans le Coran, Allah a cité des prophètes, et il y a d'autres prophètes, le Coran n'a pas cité. Les prophètes sont nombreux. Allah Santa nous l'a dit, minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk. Il y a des prophètes, on les a cités. Il y a 25 noms de prophètes cités dans le Coran. Sachant que les prophètes, les messagers sont nombreux. Allah, il a choisi parmi tous ces prophètes
5 qui sont Ulul Azm, les meilleurs. Nuh alayhi salatu wa salam. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نوح c'est le meilleur, c'est un des meilleurs des prophètes. Ulul Azm sont 5. Il a, parmi les 5, il y a Ibrahim عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله cite Ibrahim parmi les 5 les meilleurs de tous les prophètes. Parmi les prophètes, il y a Moussa عليه الصلاة والسلام. Moussa, Allah SWT l'a envoyé dans un peuple qui a fatigué Moussa alayhi salatu wasalam. Dans le Coran, parmi les prophètes les plus cités, c'est Moussa en fait partie. Tout le temps, on entend l'histoire de Moussa alayhi salatu wasalam. Allah dit à Moussa, on a vu surat al-Baqara, « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ » Combien de fois ?« وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ » Son peuple lui demandait des choses impossibles. Banu Israël. Ils sont partis jusqu'à lui dire, Moussa, nous, on veut que tu demandes à ton Seigneur. Comme ça, il lui parlait. Demande à ton Seigneur. Odu'lana Rabbak. Regardez juste l'expression. Demande à ton Seigneur, à toi Moussa. Même la nourriture qu'on mange, on n'en peut plus. Maintenant, on veut de la nourriture. Le plat, on veut que le plat vienne du ciel, direct. C'est des choses incroyables. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Et Allah, il leur donnait. Parmi les prophètes les meilleurs, il y a Isa alayhi salatu wassalam. Sa naissance miraculeuse. Isa est né, il n'a pas de père. Nuh, ou bien plutôt Adam alayhi salatu wassalam, il n'a ni père ni mère. Hawa, Allah SWT l'a créé, est sorti donc du flanc de Adam alayhi salatu wassalam. Nous, on a père et mère. Allah, il fait ce qu'il veut. Yaf'alu ma yasha. Jalla wa ala. Isa alayhi salatu wassalam, ils ne l'ont pas tué ni crucifié. Isa va revenir avant la fin des temps. Quand fir dunya sur terre, il y aura al-Mahdi, Mahdi al-Muntadhar, qui va descendre, qui sera là plutôt. Il a le nom du prophète sallam, le nom de son père, pareil. Et il va descendre. Et après Mahdi va descendre, mais c'était pendant ce moment, ad-dunya sera noirci de péché. Il y aura Masih al-Dajjal. Et Isa va descendre. Allah SWT a dit, « Wama qataluhu wama salabuhu » Ils l'ont ni tué ni crucifié. Et ailleurs, Allah dit, « Barrufi'a ilay » Allah l'a fait monter. Mais il va revenir, Isa alayhi salatu wassalam. Et le dernier, Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces 5. Et parmi ces 5, Allah a choisi un qui est le meilleur, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Allah il choisit. Et les communautés, il a choisi celle-là, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette communauté, il a choisi les meilleurs. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. C'est celui qui apprend le Coran. Donc regardez, si tu veux qu'Allah t'aime, et nous tous c'est ce qu'on veut, nous tous on aime Allah, mais est-ce que Allah, le retour est aussi valable qu'on le prétend? As-salafu salih, il disait, si tu veux savoir si Allah t'aime ou pas, mais regarde, est-ce que tu aimes le Coran? Est-ce que ce que le Coran dit, tu le fais? Est-ce que ce qui interdit le Coran, tu le délaisses? C'est aussi simple que ça. Si tu veux savoir si Allah t'aime, regarde, est-ce que tu aimes le Coran? Est-ce que tu vis avec le Coran? Est-ce que tu lis, tu médites le Coran? C'est pour cela que Allah SWT, il a mis beaucoup de cadeaux, des récompenses, des prix aux gens attachés, dont les cœurs sont attachés au Coran, dont leur vie est attachée au Coran, dans leur mouvement
Tout est attaché au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne c'est de l'éloge. Quand tu es dans la religion, dis Alhamdulillah, remercie Allah. Parce que beaucoup sont meilleurs que toi, mais ils sont loin de din. Allah, il t'a donné de sa miséricorde. C'est de l'honneur venant d'Allah. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah, il nous fait de l'honneur, on vit. Regardez, on est dans la mosquée. Ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut même pas compter. Tu as juste ton esprit, tu t'es dit, je vais à la mosquée, je vais apprendre, je vais écouter, je vais... Mais quel bienfait! أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. Des bienfaits d'Allah, intérieurement, extérieurement. C'est pour cela, celui qui vit avec le Coran, qu'il sache qu'Allah l'aime. Qu'Allah nous aime tous. Qu'Allah nous aime tous. Soyons vivants avec le Coran. Avec le Coran, on doit le lire tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe. Si un jour passe et tu n'as pas lu, tu n'as pas ouvert, tu n'as pas médité le Coran, ce jour en tout cas fait partie des jours perdus et tu vas pleurer pour ces jours yawm al-qiyam. Un jour qui passe, tu as été au boulot, tu as été au sport, tu as été au marché, tu as voyagé, mais tu n'as pas été au Coran, c'est un jour de perte. Yawmun alayka, c'est un jour contre toi, parce qu'il y a deux jours, un jour avec pour toi et un jour contre toi. Le jour contre toi fait partie des jours qui vont être contre toi yawm al-qiyam, un jour où tu t'es levé walam tusalli salat al-fajr fi waqtiha, le jour où tu te lèves mais le fajr tu n'as pas prié subha à l'heure. Tu n'as pas prié à la mosquée. Tu n'as pas prié les prières obligatoires à l'heure. Ce jour où tu as mangé le haram, le jour où tu as arnaqué des gens, tu as menti, le jour où tu as fait du mal aux gens, le jour, ça c'est un jour contre toi, yawm al-qiyam. Yawmun alayk. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui aiment le Coran. Ce n'est pas évident. On a tous des programmes chargés. On n'a pas de temps des fois. Mais le Coran, comme je le dis, ne doit pas être le dernier de nos soucis, le dernier programme de notre journée. Si je n'ai plus rien à faire, absolument rien. Le sport, c'est bon, je l'ai déjà fait, c'est tranquille. Marcher, j'ai déjà été. Business, je l'ai déjà fait. J'ai tout fait, j'ai plus rien à faire. Ah! Maintenant, je vais aller au Coran. Non. Laysa al-amr hakada. Non. Le Coran fait partie des priorités de ta vie. Le matin, quand tu te lèves, Allah t'a redonné encore la vie. Ahyaka Allahu jalla wa ala ba'dama amatak. Wa ataka. Il t'a donné. Tu as ouvert tes yeux, tu vois. Les gens ont parlé, tu as entendu, tu as compris. Tu as ouvert ta bouche et ta langue, tu as tourné, tu as parlé, on a entendu. Tu t'es levé, tu as mis tes pieds, tu as pu marcher, tu es parti. Tu as mangé, tu as senti. Tu as regardé les images, tu sais encore les différentes images, les couleurs. Ne croyons pas que tout cela est gratuit. Ne croyons pas que c'est normal. Ces choses ne doivent pas passer inaperçues. Mais c'est à méditer. Liman kana lahu qalb.
Aujourd'hui, j'ai entendu un décès. Et vous, peut-être aussi pareil. Aujourd'hui, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Mais demain sera l'un ou l'autre. Le Coran est une lumière dans la tombe. Malheur à tout musulman, toute musulmane qui vit. Une journée passe. D'autres, une semaine. D'autres, un mois. D'autres, des mois. D'autres, des années. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Kayfa ta'ishu. Ya muslim. Yamur yawm. Yawman. Subhanallah. Ayyam. Ashhur. Sana, sanawat. Le Coran, tu ne te rappelles même pas la dernière fois que tu as ouvert le Coran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kayfa satalqa Allah ma hadha alqalb. Comment vas-tu rencontrer Allah avec ce cœur? Une journée, une semaine. Tu ne sais pas lire. Ce n'est pas une excuse. Lis en français en attendant. Lis en phonétique le temps d'apprendre. Une lettre, tu le lis. Alif, lam, mim. Tu finis, alhamdulillah. Combien de hasanat tu verras. Mais malheureusement, il y a hubud dunya qui pénètre nos cœurs. Nous tous, illa man rahimallah. On croit qu'on va vivre encore très longtemps. Nous tous, illa man rahimallah. On croit qu'on sera encore sur dunya, la mort c'est pour les autres, les faibles, les malades. C'est pas pour toi. Revenons au Coran. La lecture, la méditation. Nos enfants doivent apprendre le Coran. C'est dur, je ne suis pas arabophone. Allah SWT, il sait. Tu n'es pas né mécanicien. Tu n'es pas né professeur. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. On est tous venus. On est sortis des ventres de nos mamans. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. On ne connaît rien. Absolument rien. Et on va retourner. L'être humain est triste. Ayol ikhwa, yakfi ahl al-Qur'an sharafan wa fadlan annahum yahmiluna fi sudurihim dhalika al-kitab al-fadl al-farid alladhi ghayyara Allah ta'ala bihi majra al-tariq. Quel honneur tu as dans ton cœur le Qur'an, ce livre qui a changé l'histoire. Quel honneur. Tu as lu le Coran. Tu as eu mal à la tête tellement tu as lu le Coran. Allahu Akbar. Tu es fatigué tellement tu as lu le Coran. Allahu Akbar. Mais on est fatigué parce qu'on est trop connecté. Nous tous, illa man rahimallah. Il est tellement sur Facebook, il a des migraines. Il est tellement connecté, obligé de chercher des lunettes, il ne voit plus, vraiment. Al-Qur'an passe. Alors que ce Coran va, yawm al-qiyama, intervenir devant Allah, va intercéder. Le Coran va venir le jour où l'enfer sera juste là. Le jour où le criminel va crier, pleurer, le jour où les gens ils vont avoir une peur. Subhanallah, il y a l'enfer. Le Coran va intervenir. Ya Allah, celui-là, préserve celui-là de ce feu. Parce qu'il lisait, il me lisait et il me méditait. Ya Allah, celui-là, fasse que le feu ne le touche pas. Ya Allah, fasse que cette personne-là traverse le pont de Sirat et direct au paradis. Parce que le Coran, c'est ton ami. Et le meilleur ami, c'est celui avec qui tu vas toujours rester. C'est la bonne action. La meilleure des bonnes actions,
Des bonnes actions, c'est le Coran. Ayol ikhwa, sachez une chose, le prophète alayhi salatu wassalam dit, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses serviteurs, il a choisi des gens, mais d'un choix particulier. Il dit, alayhi salatu wassalam, inna lillahi ahlina minan nas. قالوا يا رسول الله من هم. Ce hadith est trop fort. Ce hadith est rapporté par Ahmad Nisa'i rahmatullah alayhim. Il dit parmi les gens, il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mis à côté de lui. C'est d'un rapprochement particulier. Il les aime, il les rapproche de lui, subhanahu wa ta'ala. Les compagnons ont dit, mais qui sont ces gens, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, hum, ces gens-là, croyez-vous que c'est des prophètes? Peut-être parce que nous, on n'est pas des prophètes, donc on est... Il dit, hum, ahlul Qur'an. C'est les gens du Coran. Allah. Donc moi, je peux en faire partie, toi, pareil, vous, tout le monde. La porte est ouverte pour celui qui veut. Ahlul Qur'an wa khassati. Ces gens, yawm al-qiyama, ils seront devant tout le monde. Ils seront au-dessus de tout le monde. Comme le Coran est au-dessus de toute parole. Quiconque est avec le Coran sera au-dessus de tout le monde. Chers frères, ayyuhal ikhwa. Ce hadith est fort. Yaqulu al-ulama. يستفاد من هذا الحديث الحث على قراءة القرآن وتدبره وتعلمه والعناية به في كل شيء. Ce hadith nous montre quoi? L'importance de s'attacher au Coran, la lecture, la méditation, l'apprentissage, vivre avec le Coran. فإنه وسيلة إلى أن يبلغ الإنسان مبلغ الولاية لله سبحانه وتعالى. À force, l'être humain se rapproche de son créateur, subhanahu wa ta'ala, de ce rapprochement qu'on appelle al-wilaya. Allah reste, devient ton allié, subhanahu wa ta'ala. Allah est ton allié, jalla wa ala. Et quand Allah est l'allié du serviteur, bal, akhassu al-wilaya, فَمَنْ يَتَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Quiconque aime le Coran, vit avec le Coran, il devient un ami intime, un ami proche, rapproché, un allié d'Allah. بَلْ مِنْ أَخَصِّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بَعِيدٌ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Pareil donc. Al-aqs bil-aqs, celui qui ne lit pas, qui ne vit pas avec le Coran, plus que tu t'éloignes du Coran, plus tu te rapproches de Shaitan. Plus tu lis, tu vis avec le Coran, tu t'éloignes de Shaitan. Tu te détaches donc de Shaitan et de ses pièges. Et quand tu deviens un ami d'Allah, le hadith al-Qudsi dit, Allah s.w.t. dit dans ce hadith al-Qudsi, le Prophète sallam nous le rapporte. Il dit, Allah, celui qui devient tes yeux, c'est-à-dire tout ce que tu regardes, tes pieds là où tu pars, tes oreilles ou ton entendement, c'est-à-dire tout ce que tu entreprends, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accompagne avec sa miséricorde, sa bénédiction. Et quiconque t'attaque, man aada li waliyan, le hadith al-Qudsi d'ailleurs commence par là. Il dit, man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Quiconque cherche, attaque, veut faire du mal à mon serviteur que j'ai aimé, que j'aime, mon allié, qu'il sache qu'il m'a attaqué en guerre. Ayol ikhwa, beaucoup de frères, beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent al-wilaya autrement, en délaissant le Coran. Les gens aujourd'hui, illa man rahim Allah, parmi les gens qui suivent même la sunna,
Beaucoup négligent le Coran aujourd'hui. Les gens lisent ce que les gens ont écrit et ont fait, mais on lit peu, pratiquement même pas, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux voir quelqu'un, il est dans la religion pendant des années. Il apprend toutes sortes de sciences, mais il néglige le Coran. Pendant des années, masha'Allah, mais le Coran, il le néglige. C'est pas normal. C'est la première chose que nous devons vérifier, Al-Quran. On a demandé à Ibn Baz, Ibn Baz, rahimahullah, donne-nous un livre ou bien conseille-nous un livre pour apprendre Al-Aqida, Al-Fiqh, ainsi de suite. Quel livre tu nous conseilles? Il leur dit, prenez le Coran. Aujourd'hui, tu vois un frère qui te prend des volumes de livres, des fatawas. Masha'Allah, un tel savant a dit ça, un autre a dit ceci. Masha'Allah, s'il y a une divergence, il y a ceci et cela. Il y a akhi, t'en es où au Coran? C'est la honte. C'est une honte. Parmi l'itinéraire des pieux prédécesseurs, parmi leur cheminement, la première chose qu'ils apprenaient d'abord, c'est le Coran. C'est d'abord le Coran. Nous, on saute le Coran et on devient savant. On saute le Coran, on va vers les livres de fatawa, des livres des savants. Va vers un tel. La parole d'Allah avant la parole des créatures. Le créateur d'abord. Tu vois quelqu'un, masha'Allah, quand tu le vois, il t'émerveille. Avec la sunna, masha'Allah, apparente. Le akh, masha'Allah, Allah ybarik. Mais le akh néglige le Coran. La sœur, Allah ybarik, quand tu la vois, mais la sœur néglige le Coran. Le Coran. Il faut lire le Coran. Il faut ouvrir ce livre d'Allah. Il faut le lire à sort. Subhanallah. Quand on aime le Coran, il y a des moments où les gens même peuvent te prendre comme un fou. Parce que quand tu... Regardez les gens qui aiment la musique. Ils chantent partout. Ils conduisent, ils chantent. Il chante, il conduit, il voyage. Tu le vois des fois seul, il bouge comme ça sa tête. Il est dans son monde. Parce qu'il l'aime. Quand on aime une chose, on le voit. Mais nous, le Coran, c'est triste. Wallahi, c'est triste. Quand tu vois des frères, quand tu vois des sœurs qui bougent partout. Masha'Allah, tu vois quelqu'un pendant 20 ans dans le din. Il a des responsabilités de ouf. Il peut même être un imam. Mais il néglige le Coran. C'est pas normal. C'est pas normal. La première chose d'abord, c'est le Coran. Le Coran, c'est d'abord la parole d'Allah. Quand tu aimes Allah, tu aimes le Coran. La preuve qu'Allah t'aime, tu aimes le Coran et tu vis avec le Coran. Quand on aime le Coran, notre temps, notre portable, notre vie, on vit avec le Coran. Une journée passe, une semaine, un mois, le frère n'a pas ouvert le Coran. La sœur n'a pas du tout touché. Il avait mémorisé combien de sourates, tout est parti. Le Coran est jaloux. Beaucoup de péchés effacent le Coran. Quand tu commets trop de péchés, le peu qui était en toi part. Le Coran est propre. Le Coran est pur. Il faut que tu lui donnes beaucoup pour avoir peu. Si tu lui donnes peu, tu n'auras absolument rien du tout. Revenons au Coran, ayyuhal ikhwa. Vivons avec le Coran, lisons le Coran, méditons. Des fois, on prend un verset, tu médites ce verset. Il y a
des versets qui ont changé, bouleversé des vies. Un des grands chouyours, si je vous le cite, vous le connaissez. Un verset a changé toute sa vie. Il faisait partie de Qutta'u Turuq. C'était un agresseur. Les gens, quand ils voyageaient, ils faisaient tout pour éviter ce chemin parce qu'il y a un tel. Même les agresseurs avaient peur de lui. Imaginez donc les autres. Un verset a changé sa vie dans Sourate Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois, il est parti pour faire son boulot comme d'habitude. Il a entendu ce verset. Et ce verset a changé sa vie. Méditons le Coran. Allah dit dans ce verset, quand est-ce n'est-il pas venu le temps où ceux qui se disent croyants musulmans, que leur cœur bouge, qu'ils fassent tawba, qu'ils reviennent vers Allah avant qu'il soit trop tard, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui étaient là avant eux, qui avaient reçu des livres, dont Shaitan a égaré. Finalement, ils ont oublié l'au-delà et ils ont pensé trop à cette vie éphémère. Et finalement, sont devenus perdants. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri llahi wa ma nazala min al-haqq. Wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum. Qasat qulubuhum, les cœurs sont devenus durs. Nos cœurs sont durs, ya l'ikhwa. Billahi alaykum. On lit As-Salaf As-Salih qui pleure quand ils lisent le Coran, qui pleure quand ils entendent le Coran. Nous, l'imam, le cœur est dur, il récite les versets et sans rien du tout. Juste on récite parce qu'on doit réciter, on est malade. Allahumma shfina ya Rabbi. Allahumma shfina ya Rabbi. اللهم اجعلنا مخلصين مخلصين كالله بدون الإخلاص والحكمة والعلم والفهم والعمل كالله بدون الثبات كالله نرفع ميس جس كلامه سكي نزاغيب بكا أني كم أني كم ديزي لبرف صلى الله عليه وسلم سيباسك حب الدنيا وكراهية الموت. Quand on aime trop cette vie, on aime trop cette consommation, on pense trop à cette vie, ça va de soi. Dès qu'on aime trop dunya, on a peur de la mort. Dès qu'on pense trop à l'akhira, on sait que la mort c'est quelque chose, c'est une vie. La mort est une vie, c'est-à-dire Allah a créé la mort même va mourir. Yawm al-Qiyam, alayhi salatu wassalam nous dit, Allah va prendre la mort sous forme d'un bélier. Et il va mettre la mort entre le paradis et l'enfer. Et il dira aux gens du feu et aux gens du paradis, la mort est là, sous forme d'un bélier. Et les gens du paradis, les gens de l'enfer, ils vont souhaiter que la mort reste vivante. Pourquoi, d'après vous? Pour qu'il puisse mourir, parce que le châtiment est terrible. Si la mort est morte, c'est fini, il n'y a plus de mort. Donc ils ne vont plus mourir, ils vont continuer dans les châtiments comme ça. Et les gens du paradis, Allah s.w.t. dit, vous les gens de l'enfer, vous les gens de l'enfer, du paradis, la mort, Allah, il tue la mort. Il n'y a plus de mort. La mort donc est une créature. Pourquoi on a peur de cette créature? Parce qu'on est éloigné du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Quand on aime trop dunya, nos programmes, on vit, mais on les repousse. J'attends demain, après demain, je vais lire le Coran. Non, je vais aller à la mosquée, après plus tard. Hatta yatiyakal maut. Jusqu'à ce que la mort arrive. Donc, ayol ikhwa, Al-Quran, Al-Quran.
Avant tout d'abord, il faut le Coran. Le Coran, ayyuhal ikhwa, anna lahum arfa' al-amthila, les gens du Coran, anna nara la tamassuhum, l'enfer ne touche pas les gens qui vivent avec le Coran. Quelqu'un qui vit attaché au Coran, réellement, la tamassuhun nar, l'enfer ne le touchera jamais. Ayol ikhwa, on a dit que le Coran intervient yawm al-qiyam. C'est ainsi l'a dit alayhi salatu wassalam. Il dit iqra'u al-Quran. Il dit lisez le Coran. Le hadith est rapporté par Muslim alayhi rahmuhullah. Il dit fa innahu ya'ti yawm al-qiyam shafi'an li ashabi. Le Coran va venir yawm al-qiyam intercéder, intervenir en la faveur de celui qui lui donnait de l'importance. Chers frères, lisons le Coran, vivons avec. Ce hadith est énorme. Parmi les bienfaits, l'honneur qu'Allah donne aux gens du Coran, istiqbal al-Quran lahum 'inda khurujihim min quburihim. Le Coran, quand on sera yawm al-qiyamah, tu te lèves, on se lève des tombes, mais le Coran va intervenir. Alayhi salatu wassalam, il dit, قال بريدة رضي الله عنه أرضاه كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول j'étais une fois à côté du prophète sallam, je l'ai entendu dire وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الله الشاحب فيقول له هل تعرفني. Il dit يوم القيامة, quand les gens vont sortir de leur tombeau, il dit le Coran va accueillir celui qui l'aimait, celui qui lisait, celui qui méditait, celui qui vivait avec. En lui disant, est-ce que tu m'as reconnu? Fayaqulu ma a'rifuk, non, je ne te reconnais pas. Fayaqulu, le Coran lui dit, ana sahibuk. Ce hadith est rapporté par Ahmad, alayhi rahmatullah, et on le trouve dans Silsila Sahiha de Cheikh Albani, alayhi rahmatullah. Il dit, tu ne m'as pas reconnu, ana sahibuk, je suis ton ami. Mais qui? Il dit, Al-Quran, le Coran. Allahu Akbar. Al-Quran, alladhi azma'tuka fil hawajir, wa azhartu laylak. Allahu Akbar. Les moments des journées, en plein été, la nuit, quand tout le monde dormait, tout le temps tu vivais avec moi. Aujourd'hui je suis là. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati. Chacun yawm al-qiyam, il sera derrière son commerce. Il dit wa inna kal yawm min wara'i kulli tijara. Fa yu'ta al-mulka bi yamini. Ce jour, celui qui vivait avec le Coran, le frère, si tu vivais avec le Coran, si tu lisais le Coran, ma sœur, et tu avais un programme, soit à la mosquée, soit chez toi, mais tu n'as pas oublié le Coran, malgré ton travail dur, malgré tes préoccupations, tu t'es arrangé, organisé de sorte que le Coran fait partie de tes priorités. Et ce jour, on lui donnera quoi? Al-mulk bi-yamini, wal-khuld bi-shimali. Allahu Akbar. Le pouvoir, Allah lui donne. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Allah qui donne le pouvoir à qui il veut. Il te donne un pouvoir يَوْمَ الْقِيَامَةِ devant les serviteurs. Mais à ta droite et à ta gauche, il te donne al-khuld, que du bien. Tout le bien qui va rester éternellement, tu l'auras. وَيُوْدَوْ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ. Et on lui donne une sorte de bonnet. Je ne sais pas comment on l'appelle encore. Taj, c'est des sortes de bonnets longs. Tout ça, c'est des signes pour qu'on puisse te reconnaître.
Il dit wa yuksa walidahu hullataini. Allahu akbar. Regardez, ayyul ikhwa. Moi, quand je lis ce hadith, personnellement, parmi tout, j'ai lu pas mal de hadiths. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ce hadith m'a fait beaucoup de, comme d'autres, mais celui-là m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Le meilleur parmi vous, devant Allah, c'est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Le deuxième hadith est celui-là. Il dit, Yawm al-Qiyama, à chaque fois que je pense à ce hadith, je me dis, tout ce que tu fais de bien avec Al-Qur'an, multiplie. Ne t'arrête pas. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Ce hadith, wallahi, est fort. Ayyul ikhwa. Ce hadith est trop, trop fort. Il dit, Yawm al-Qiyama, on va appeler tes deux parents. Et Allah de leur habiller d'un vêtement que personne n'a jamais connu fi dunya. La yuqawwam lahuma ahlu dunya fa yaqulan bima kusina hadhihi. Et tes deux parents, ton père et ta mère, diront, oh Allah, quel honneur. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ces mérites? فيقال بأخذ ولدكما القرآن الله أكبر. Tu te lèves يوم القيامة. Allah سبحانه وتعالى t'honore et honore ton père, honore ta mère. Ce hadith, أيها الإخوة, si on aime nos parents malgré leurs défauts, si on aime vraiment nos parents malgré nos défauts, ce hadith doit nous booster tous vers l'apprentissage, voire la mémorisation, surtout la pratique du Coran. Ton père et ta mère vont venir et Allah SWT va honorer tes deux parents devant les créatures. Ils vont dire, oh Allah, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir tout cela? Et Allah de leur dire, parce que vous avez un enfant, votre fils, qui aimait le Coran, qui a appris le Coran, qui a mémorisé, qui a pratiqué, qui a transmis, qui a vécu, qui a... Je suis content de votre fils ou de vos enfants. Tellement content d'eux, je vous récompense, vous les parents. Allahu Akbar. On a deux choses. Soit, nous, on fait l'effort pour que nos deux parents puissent en profiter. Alhamdulillah. Tu as des enfants, tu n'as pas d'enfants, donc fais l'effort. Tes deux parents seront au paradis, Inch'Allah. Tu as des enfants, fais un effort. Toi aussi, tu seras au paradis avec tes enfants. Nous, tous, ceux à qui Allah a donné des enfants, ne croyez pas mettre ton fils dans une école coranique. Parce qu'il y a des musulmans qui pensent comme ça. Et c'est dommage, c'est malheureux. Non, dans les écoles coraniques, ils ne vont rien comprendre dans leur vie. Mais ils vont beaucoup comprendre dans l'autre vie. Et quand tu vas mourir, ils pourront quand même faire des du'as pour toi. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux apprendre le Coran et également réussir dans ta vie mondaine. D'autres vont te dire, bé, dans les écoles coraniques, les enfants vont avoir faim. La faim éternelle, qu'Allah nous en préserve. Il n'y a rien qui dure fi dunya. Ayol ikhwa, il faut qu'on apprenne. Quand on est enfant, ne regarde pas tout ce qu'aime ton fils. Tu dis, je ne veux pas que mon fils souffre. Non. Quand on est enfant, on est enfant, on est innocent, on ne sait pas ce qui se passe. Des fois, tu te dis même que mes parents me détestent.
Des fois, ça nous arrive, nous tous, quand on était jeunes. Moi, je me rappelle quand on était jeunes, dans notre maison, c'était une école coranique. Mais des fois, tu regrettais, en fait, tu te disais, pourquoi je suis né dans cette famille? Wallahi l'azim. Des fois, il t'arrivait des moments, c'est l'enfant, on est l'enfant, tu ne vois pas loin. Comme disait Ampa Teba, il dit, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Il dit, un enfant peut rester debout et un vieux reste assis, il voit plus loin que l'enfant. Et que des paroles de sage, de sagesse. La personne avec l'expérience, tu vois plus loin que l'enfant qui n'a pas encore d'expérience. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce qui arrive? Parce que devant la maison, c'est nous tous, c'était comme ça au pays. C'est là où on jouait. Les terrains, c'était devant les maisons. Le moment où tout le monde jouait, on te dit, tu ne sors pas. Tu prends ton alouah et tu écris. Dès que c'est fini, tu vas là-bas, tu laves, tu attends que ça sèche et tu reviens. Tu dis, wow, quand est-ce qu'on va avoir une liberté? Et à côté, tu entends le ballon qui tape des fois le mur, contre le mur, et tu dis, subhanallah. Des fois la nuit, tu ne restes pas longtemps dehors, on te dit rentre et tu vois les autres, c'est la liberté. Tu dis, mais c'est quoi cette famille? C'est quoi cette épreuve? C'est quoi cette épreuve? Mais quand tu grandis, c'est là où tu comprendras beaucoup de choses. Il ne faut pas que l'erreur soit double. Tu es dans l'erreur. Tu as grandi. Parmi nous, il y a des parents qui étaient tellement des hommes. Ils subvenaient aux besoins de la famille. Ils n'ont même pas eu le temps de s'asseoir et de encore d'éduquer la famille autrement. Mais rien ne manquait. Tu mangeais et ainsi de suite. Mais tu n'as pas appris le Coran. Parce que peut-être ils ne savaient pas, ils ne voyaient pas trop l'importance ou les priorités, ou bien ils l'ont mal placé. Aujourd'hui, tu es un adulte. Ne perds pas deux fois. Allah t'a donné des enfants, rattrape-toi avec tes enfants. Aujourd'hui, nous, nos cerveaux, on apprend aujourd'hui, demain on oublie tout. À cause des soucis de la vie. Ce n'est pas des fois parce qu'on n'aime pas, on veut bien, mais des fois... Il y a d'autres problèmes aussi qui... C'est comme écrire dans de l'eau. Tu écris et ça part. Mais quand on a un enfant, on ne peut pas lui donner, mais il faut lui faciliter le chemin. Ne croyons pas que ramener ou bien faciliter à ton fils l'apprentissage du Coran, parce qu'on est, il y a beaucoup qui se disent, non, mon fils ne va pas être quand même... Ça, c'est la dernière des choses. Être là, non, un médecin, ce n'est pas interdit en islam. Ton fils peut être un médecin, mais un médecin musulman, savant, il a de la science, mais il est en même temps médecin. Il a ceci, mais en même temps, ce qui est pire, c'est de croire que le retard, c'est avec le Coran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qu'Allah nous en préserve. Lisons le Coran, ayyuhal ikhwa. Et ce hadith est fort. Et on dira à la personne qui lisait, qui vivait avec le Coran, « Iqra, was'ad, li emont fi darajatil jannah, Allahu Akbar, wa ghura fiha, fa huwa fi su'udin madama yaqra. » Allah, il lit, il monte. L'ascenseur, c'est le Coran. C'est pour cela que certains des pieux, ils disaient, minas salaf, ils disaient les darajat du paradis sont aussi nombreux que les versets du Coran. C'est-à-dire les darajat, les niveaux, c'est le même nombre que les versets du Coran. Parce que plus que tu lis, tu montes. Ne dis jamais, moi, il me suffit juste d'avoir une petite chaise au paradis, peu importe. Non. Demandons al-Firdaus al-A'la. Celui à qui on demande, c'est pas un pauvre. Ce n'est pas un radin, mais c'est le généreux subhanahu wa ta'ala. Et qui nous demande d'être généreux aussi avec notre temps, qu'on lui donne notre temps, qu'on lui donne notre vie, qu'on lui donne nos biens, qu'on lui donne tout ce qu'on a.
C'est lui qui nous a tout donné, subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwa, al Quran, le Coran, ayol ikhwa. Le Coran avant tout, et le Coran pendant et après tout. Une journée, ma journée si tu peux, et je finis avec. Tu as prié le matin, si tu peux prier à la mosquée, vas-y. Si tu ne peux pas, tu as un empêchement, lève-toi et prie à l'heure. Après la prière, si tu as le temps, ton boulot te le permet. Ou bien tu ne travailles pas le matin, ou tu ne travailles pas le jour même. En tout cas, tu as un peu de temps, fais tes azkar. Ces azkar, Allah te protège dans ta journée contre les mots M-A-U-X que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, ou bien que tu vois, contre les mots surtout de l'qabr, de la tombe, mais surtout les mots de Yawm al-Qiyam. Prends un peu de temps. Quand tu dis Subhanallah, tu as fini la prière. Que ton Subhanallah soit bien réfléchi, médité. Que ton Subhanallah ne soit pas juste du vent. Non. Alhamdulillah que tu dis, ne sois pas du vent seulement. Alhamdulillah, c'est fini, non. Allahu Akbar, pareil, ce que tu dis est énorme. Subhanallah. Pureté à Allah. Mais c'est fort ce mot, mais on ne se rend même pas compte. Combien de personnes ont associé Allah, ont fait du shirk, subhanallah. Combien de gens, Allah leur a donné la vie, les biens, la santé, mais sont ingrats envers Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Regarde, je suis musulman, quel bienfait. Alhamdulillah, j'ai la santé. Alhamdulillah, j'ai la facilité de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, je suis chez moi avec mes enfants. Alhamdulillah, j'ai un travail. D'autres n'en ont pas. Alhamdulillah, je ne suis pas à l'hôpital. Des milliers sont là-bas. Quand est-ce que je vais remercier Allah? Et Alhamdulillah, le fait de dire Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il n'y a que Allah qui compte. Allahu Akbar, il n'y a que lui. Le plus grand, c'est Allah. C'est rien le travail. Même si ton travail, si tu crois que c'est quelque chose qui est énorme, mais ce qui est plus énorme, c'est Allah, d'ailleurs, Akbar. Quand tu penses à ces, tu médites ce que tu dis, dès que tu finis, tu ressens quelque chose en toi-même. Non. Tu ressens quelque chose. Les montagnes ressentent la grandeur d'Allah. La terre ressent la grandeur d'Allah. Les cieux ressentent la grandeur d'Allah. Tout ressent la grandeur d'Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal-qamar wan-nujum wal-jibal wash-shajar wad-dawab wa kathirun min an-nas wa kathirun haqqo 'alayhi al-'adab. Les cieux ressentent la grandeur d'Allah, les terres ressentent la grandeur d'Allah. C'est pour cela, quand les gens ont commis le shirk, ont associé Allah, subhanahu wa ta'ala, le pire des péchés, les montagnes ont failli s'envoler. Il y a eu le tremblement de terre a failli, la terre a failli nous, subhanallah, nous bouleverser, les montagnes, les cieux. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا فَقَالُوا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا نسال الله جل وعلا ان يجعلنا مسلمين حقا اللهم اجعلنا من اهل القران يا رب اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته يا رب اللهم اجعلنا من اهل القران من الذين يقرؤون القران دوما
ويدبر ويتدبرون ويعملون اللهم اجعلنا من أهل القرآن في السر والعلن اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الإخلاص يا رب اللهم إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.